10h, heures, 11h, heures, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et ces News. Jean-Yves Le Drian, répondez-vous à l'avocat Henri Leclerc, le président d'honneur de la Ligue des, des droits de l'homme, qui vous demande d'en finir avec la politique du cas par cas concernant le rapatriement euh, des, des, de ces enfants de, de djihadistes qui sont aujourd'hui euh, toujours retenus euh, en Irak. Le cas par cas, on en finit ou pas On ou au retour le, le, La logique que nous développons sur euh, les combattants étrangers est bien connue. Maître Henri Leclerc le sait bien. Nous avons quatre principes. Premièrement, l'impunité. Je ne parle pas des enfants. Hein. Les combattants étrangers, mais ils peuvent être, euh, ça peut être des combattantes aussi, Elles doivent être jugés pour les crimes qui sont commis. Je ne rappelle pas ce que nous avons subi ici en France, mais c'est venu de là, de ces là, sur cette zone-là. cette zone-là. Un, deux. Nous respectons euh, les autorités irakiennes. Trois. Il y a aujourd'hui une situation de guerre dans le nord-est syrien. Il y a des camps et les camps, nous ne sommes pas présents. Nous essayons de rapatrier autant que faire se peut, lorsqu'on a bien identifié les possibilités, des, des enfants isolés. Et de manière exceptionnelle, lorsque la mère l'autorise, des, des enfants qui ont leur mère dans les camps. Et puis, quatre, il nous faut agir, réfléchir à la mise en œuvre d'un dispositif judiciaire particulier pour que demain on puisse juger les combattants étrangers qui sont là ce n'est pas uniquement un problème français ça veut dire imaginez quest ça veut dire Un, imaginez... veut dire quoi, un tribunal on, en France on travaille, travaille aujourd'hui avec plusieurs euh, de nos collègues européens à la mise en œuvre d'un dispositif judiciaire qui permette de régler cette question. J'en ai pas Et Qui dépasse les frontières de la qui pourrait. C'est pas uniquement français. Pour juger, qui les, les, combattants de juger les combattants djihadistes. Mais nous sommes toujours en situation de guerre en, dans le nord-est syrien. Donc vous n'annoncez qu'une instance aujourd'hui de, nous, cours nous européens de, de justice. – hein, Nous sommes en train de réfléchir nous sommes en train d'agir à la mise en œuvre d'un dispositif de ce type qui est la seule bonne solution. Non seulement pour la question des enfants, mais aussi pour la question des combattants. Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.